Coucou. On se retrouve pour le challenge de Coco. On en est à la quatrième semaine, donc on est à la lettre D. Et moi, j'ai choisi le thème dentelle. D comme dentelle. J'espère que je vais relever ce défi parce que je suis KO. Et j'ai pas tout à fait les idées en face des trous, voilà. Enfin, les idées en face des trous. Voilà, je suis simplement fatiguée. Voilà, donc c'est. Donc, comme toutes les semaines, j'ai quand même commencé par mettre le papier de fond sur mon tag. Voilà, hein, toujours 15 par 8. Je crois que c'est ça, mais là en plus, j'ai pas le double centimètre, mais en tout cas, c'est 15 de hauteur. Donc j'ai déchiré ce papier-là. Le papier de fond, là, ben, je l'ai coupé. En fait, il est là-dessous, là. Il est là-dessous parce que j'ai coupé de la dentelle pour pas trop gaspiller et surtout pour pas perdre trop de temps parce qu'on en perd en papotant. Donc j'ai collé ce papier de fond. J'ai déchiré un morceau de papier comme ça que j'ai ancré et que j'ai collé à cet endroit-là. Bon, j'espère que je ne me suis pas gourée d'endroit. Maintenant, on va prendre la colle textile et j'ai coupé des morceaux de dentelle pour éviter de perdre du temps avec vous, hein. C'est pour vous donner des idées de création. Et ce challenge est tout à fait chouette pour ça. Bon, alors j'espère. Je vais prendre la textile glue. Je n'ai pas l'habitude de travailler, enfin de, voilà, oui, de travailler avec cette colle. Je vais malgré tout essayer puisque je l'ai. Moi, je fais tout avec la all-purpose. Je l'aime bien, même pour coller de la dentelle, mais bon. Je me suis dit, c'est le challenge de Coco. On va faire peut-être comme les copinettes. Peut-être je ne suis pas la seule hein, à utiliser la all-purpose pour tout. Oh, j'ai oublié les lingettes. Bon, je me lève. Hein. Je vous laisse toute seule avec ma table et avec Ronan qui parle au fond. Voilà. Il parlait plus parce que bon, on est le soir là pour tout vous dire. On était en famille, entre amis aujourd'hui. Depuis ce matin, je me suis levée fatiguée en fait. Voilà, pour tout vous dire, bah, ça m'arrive. Hein. Voilà, ça m'arrive. C'était pas le bon jour pour que ça m'arrive, mais bon. Voilà, c'est comme ça, on ne choisit pas. Et j'ai joué les Pierre Richard toute la journée. Voilà. Heureusement que je ne me suis pas fait mal. Mais je me suis empêtrée dans tout. Voilà, je me suis empêtrée dans tout. Je faisais tout tomber. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère que je vais réussir. Parce que c'était un peu folklorique cette journée. Bon, ça doit vous arriver, peut-être. Ou pas. Voilà, moi ça. Allez, voyez, ça continue. Ouais, c'est comme ça de. Bon, voilà, hein, faut pas chercher. C'est comme ça depuis ce matin. Alors, j'espère que là, ça va pas m'embêter. Je vais essayer de l'échevaucher. Est-ce que c'est comme ça ou pas? Normalement, oui. Ah, il y a du scotch là. Oh non, s'il te plaît, c'est pas le quart d'heure. C'est pas le quart d'heure de ramener ta science. Je me promène, vous voyez, avec le bout de scotch. Non, mais il doit y avoir quelque chose. Hein. Il doit y avoir quelque chose dans les planètes parce que c'est comme ça depuis ce matin. Alors, faut pas que je m'énerve. Voilà. La maîtrise.
ici. J'espère que ça aura le rendu. Voilà, en plus je bégaye. Le rendu que je recherche. En tout cas, le papier est vintage. Donc, c'est ce que je voulais. J'en ai trouvé. On a le voisin du dessus qui recommence ses crises. Enfin, ses crises, je m'entends, on ne sait pas trop ce qu'il a en fait. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'il a, mais il est chelou. Voilà. Alors, je me dis qu'on doit entendre Ronan aussi. Peut-être se disent-ils qu'il est chelou. Enfin, je crois pas. Mon fils, il a l'air d'être apprécié par toutes nos voisines qui sont d'un certain âge, on va dire. Elles sont super contentes de le voir à chaque fois. À chaque fois qu'on les croise. Hein. Voilà. Je vais mettre celle-ci comme ça. Oh non ! Voilà, on va mettre celle-là ici. Bon, c'est sans doute parce que je suis pas habituée. Hein. Moi, comme ça, de prime abord, je l'aime pas cette colle. C'est moi, voilà, faut pas tenir compte de ce que je vous dis pour vous, voilà, c'est moi perso, je l'apprécie pas, je l'aime pas, j'aime pas les trucs qui dégobillent, la Vulperpose, elle dégobille pas, elle est stable surtout, enfin avec moi, hein. C'est encore une fois, je n'ai pas la prétention de tout savoir et surtout pas la prétention d'avoir la bonne méthode en quoi que ce soit. Je vous donne simplement des idées. Vous m'en apprendrez peut-être beaucoup plus que peut-être je vous en apprendrai. Et je vais apprendre avec vous en faisant. Hein? C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? On apprend en faisant. Heureusement que je n'ai pas 50 bidons de cette colle. Parce qu'elle n'est pas pour moi. Non. Non, elle n'est pas pour moi. Ça ne sera pas ma copine. Non, non, non. Voilà. Bon, on va travailler un petit peu autre chose pendant que ça prend forme. Mon sopalin. Voilà, je vais retourner, vous voyez là ça dépasse, donc je vais retourner pour le découper. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va falloir, je trouve que c'est long à sécher ça. Franchement, c'est long à sécher. Maintenant, j'avais envie de mettre ça. J'avais eu ça chez Noz, ça fait déjà quelques années. Mais j'ai envie d'en mettre, mais pas trop non plus. Pas trop. Alors, est-ce que ça va se décoller comme je veux? Et surtout, pas trop. Reste accroché là. Ah, c'est bien. Je voulais pas que ça. Je voulais pas. Voilà, ça je veux le garder, mais pour après. Oh pétard. Bon, heureusement qu'on est sur du vintage, hein, parce que. Oups. Je vais découper là. Là, je vais couper hein, parce que c'est pas beau ça. C'est pas beau s'il manque une perle au milieu. Hein.
Et là, je vais couper aussi. Ça accroche, hein. Ça accroche grave. Non. Voilà. Écoutez, ça tombe pile poil. Voilà. Je m'en suis jamais servi de ce truc. Au moins, je vais essayer d'attraper ça. Uniquement ça. Voilà. Uniquement ça, en coupant ici et je vais le mettre de côté. Je vais d'abord placer cette fleur. Oui, bon, de toute façon c'est pas grave si ça, c'est pas grave. Oui, voilà, ici là. Bon, c'est reparti avec cette colle. Ça devrait. Ça devrait coller. Donc là, je vais ressortir ma colle chouchoute. Celle-ci. Oui, ça en cache beaucoup, que c'est parfait. Je ne suis pas très strass, moi. Je suis plutôt plus perle que strass, mais pas trop non plus. Je suis plus tout simplement dentelle. Voilà. Donc, je vais me mettre là. J'admire celle qui travaille le chabis, vous savez, toutes ces fleurs superbes là. Je trouve ça trop beau. Mais moi, la superposition de fleurs. Donc ça, j'avais préparé des petites bandes de dentelle une fois avec des boutons cousus. Et voilà. Et c'était trop gros, donc j'ai repris l'idée. J'ai ressorti mon fil et mon aiguille. Et j'ai pris un bouton de ces... voilà, je vais continuer de faire les Pierre Richard. De ces petits filets là, j'ai choisi le plus petit bouton parce que en fait ils sont pas si petits que ça. J'ai cousu et je me suis dit que j'allais l'intégrer là, mais où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je le mets de ce côté-ci? Mais après de ce côté-là il n'y aura rien du tout. Où je le mets là? Je vais peut-être plutôt le mettre là. Voilà. Ça va couler. Voilà. Est-ce que je rajoute? Bon, je vais peut-être couper la dentelle. Je te casse pas la binette, toi, toi non plus. Voilà. Je vais couper la dentelle maintenant. Ça fait une sacrée épaisseur. Hein. Je ne vais pas continuer de faire l'andouille toute la journée. Voilà. Oh, c'est bon. C'est bon, ça tient. Je vais peut-être mettre une fleur. Mais une fleur qui brille pas. Décolle, oui, c'est mieux si je l'ancre.
Voilà, je vais chercher tout mon... Ah, là. Voilà, je vais l'ancrer. Elle est pas mal, elle ressemble aux fleurs du papier. Vous voyez peut-être pas avec tout ça là-devant. Voilà. Voilà. On fait comme ça. La petite lettre, le D de dentelle. Et je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Le dé de dentelle. Voilà. Le petit trou. Oui, c'est là. Voilà. Et je vais prendre cette dentelle là en espérant que ça fonctionne. C'est pas sûr. C'est moi qui ai décidé ça, mais est-ce que ça va fonctionner? Puisque c'est sur le thème dentelle. Je vais mettre un nœud en dentelle. Dans ma foi aussi, ça a l'air de le faire. Voilà. S'il s'avère trop long, je vais le recouper un tout petit peu. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît bien. J'aime pas quand c'est trop chargé non plus. Mais je trouve que c'est pas mal avec le papier vintage. Voilà. Bon, si ça se décolle, je serai obligée de mettre un point de colle. Il faut juste peut-être que ça adhère. Voilà, voilà le dé de dentelle de cette quatrième semaine. Donc, il y a de la dentelle ici, ici, ici et ici sur un papier vintage. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore à toi, Coco, pour ce challenge. Et puis, amusez-vous bien. Bisous, bye bye.